un véhicule 7 places pour ce nouveau service de taxi partagé qui reliera l'aéroport à Bruxelles, mais aussi aux alentours de la ville et même jusqu'à Namur ou Leuven. Particularité, un prix fixe à 25 euros par personne. Nous, on a voulu développer quelque chose qui permette en fait de partager les frais de la navette avec différentes personnes. En soi, c'est une idée très simple, ça a l'air très simple, mais pour l'organiser, c'est assez complexe puisque c'est un système d'Ortogate qui est complètement autonome et qui planifie en fait les différentes réservations qu'on a d'une façon complètement automatisée. Un nouveau partenariat stratégique pour Brussels Airport qui souhaite diversifier ses revenus, élargir son réseau de connexions et s'engager sur la durabilité. Des objectifs prévus à l'horizon 2027 par le gestionnaire de l'aéroport. C'est une nouvelle stratégie il y a maintenant 2 semaines. Et un des éléments importants, c'est tout ce qui est durabilité. Et donc, la mobilité joue un rôle évidemment très important. Et donc, on veut avoir une offre de transport public qui soit la plus élargie possible. Et donc, ce genre de bus direct Flipco nous permet de rajouter un élément, de rajouter un moyen de transport très intéressant. En plus de ces nouveaux taxis partagés, un transport en bus fera les connexions entre l'aéroport et 11 grandes villes belges mais aussi étrangères comme Lille, Breda ou encore Maastricht. Les prix de départ sont annoncés à 5 euros. L'avantage d'avoir ces connexions directes en bus, c'est qu'ils pourront également être opérés à des heures où d'autres modes de transport public ne fonctionnent pas. Très tôt la nuit, par exemple, on a des vols qui partent vers 4h, 5h le matin, donc il faut être là 2h avant. Donc les bus de Flipco rouleront très tôt le matin. Ces nouvelles offres de transport privé seront en service dès le 23 juin. Elles viennent s'ajouter aux nombreuses options de mobilité déjà en place vers l'aéroport, comme la ligne de train direct, les lignes de bus de la Stib et de l'Ain et les taxis bruxellois.